Bonjour. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le premier mouvement du trio en ut majeur. Et nous commençons cette séance consacrée à Mozart par ce trio parce qu'il est un très bon exemple de la musique galante, du style galant, c'est-à-dire une musique, comment dire, au premier abord, qu'on ressent comme particulièrement agréable à écouter, comme pouvant former un parfait fond musical, par exemple, pour, je ne sais pas moi, faire la vaisselle, faire le ménage, pour prendre le thé, pour penser à autre chose. Et c'est assez curieux, mais on pourrait partir de cette chose-là. Mozart est un très bon compositeur de musique de fond. Il paraît confortable, on est bien en écoutant ça, on se sent bien. Et pourquoi est-ce qu'on se sent si bien quand on écoute la musique de Mozart? Eh bien parce que, me semble-t-il, c'est déjà une musique très symétrique. Oui, on écoute cette musique et l'oreille est dans un, comment dire, dans un phénomène de reconnaissance. Elle reconnaît les thèmes les uns après les autres parce que justement c'est une musique écrite avec une très grande symétrie. Alors la première symétrie déjà, c'est que tout est répété deux fois. C'est très pratique en musique parce que, vous savez, le problème qu'on a, les musiciens, les compositeurs, c'est que quand on vous dit quelque chose, ça n'a pas de sens au premier abord. Si je vous dis, par exemple, un mot de la langue française, je ne sais pas moi, tapis, vase, éléphant, gâteau au chocolat, tout de suite, ça vous évoque quelque chose. En musique, quel que soit le motif rythmique, mélodique, harmonique employé, ça n'évoque absolument rien. Et le seul moyen que j'ai de créer un sens, c'est la mémoire, la répétition. Je fais entendre un motif et au moment où je ferai entendre une seconde fois ce motif, eh bien, cela va établir un effet de mémoire avec la première fois et donc un effet de symétrie. Et on est bien parce qu'on a déjà entendu et qu'on aime beaucoup réécouter quelque chose qu'on a déjà entendu. Ce qui fait que très souvent, les thèmes de Mozart, comme les thèmes de la musique galante, sont en deux parties, la seconde partie répétant en quelque sorte la première partie. Alors, quelques exemples, le plus connu étant évidemment celui qui fait aujourd'hui le bonheur des mélomanes, mais aussi des fabricants de portables, le thème de la 40e symphonie, que l'on entend toujours deux fois de suite, puisqu'il y a... Et tout de suite après... Mais puisque j'ai un quatuor avec moi, c'est du luxe, ils vont jouer pour vous le thème de la 40e symphonie. La répétition d'une phrase peut aussi s'appliquer à une phrase plus courte. Là, la phrase est relativement longue. Tagadam, tagadam, tagadayam, tagadam, tagadam, tagadam. Mais dans la sonate facile en ut majeur, le premier mouvement fait entendre un thème de seulement deux mesures. Eh bien, tout de suite, il est répété. Enfin, il est répété, ça n'est pas les mêmes notes. Au début, c'est do, mi, sol, si, do, ré, do. Pardon, ça fait un peu court de solfège. Mais enfin, après, ça fait la, sol, do, sol, fa, mi. Mais ce qui est pareil, c'est le rythme. Longue, brève, brève, longue. Petite formule. Longue, brève, brève, longue. Petite formule. On a souvent l'impression qu'un thème, c'est d'abord une mélodie, des intervalles, des notes. Mais on peut s'apercevoir avec le style classique que ce qui définit le plus la physionomie d'un thème, c'est son rythme. Là, c'est le rythme qui est le même. Pam, pim, pam, pam, pararam. Et la seconde fois, pam, 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 pim, tararam. Et c'est pour ça qu'on le reconnaît. Les notes ne sont pas exactement les mêmes parce que ça finirait par être un petit peu lassant. Allez, encore un exemple de thème en deux parties. Donc, on peut dire toujours le thème et puis sa réplique avec la romance de la petite musique de nuit. Alors pourquoi est-ce que la première fois, on a l'impression que ça n'est pas terminé? Parce qu'on l'attend, cette répétition. Eh bien, c'est à cause d'un problème d'harmonie. C'est que la première phrase ne se termine pas sur l'accord de tonique. Nous sommes en Do majeur, Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et l'accord
qui caractérise Do majeur, c'est l'accord Do mi sol Do. Tant qu'on n'est pas arrivé à cet accord, on n'a pas l'impression que c'est terminé. Voici pourquoi, quand nous terminons la première phrase et que nous faisons nous sommes sur un accord de sol. Donc, on se rend bien compte que ça doit continuer. Et ça continue d'ailleurs. Mais à la fin de la réplique, là, nous terminons bien par un accord de Do majeur et nous sommes bien contents. Alors, il n'y a pas évidemment que la répétition par deux. Donc, je vous propose maintenant d'arriver à quatre pour un autre point d'équilibre, de symétrie dans le discours. Je veux parler des carrures. Les carrures dans la musique classique, c'est l'équivalent de la rime en poésie. Vous savez, dans la poésie classique, dans les tragédies de Racine, de Corneille, nous avons toujours ce fameux alexandrin qui borne la récitation et la déclamation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui est responsable parfois de l'endormissement d'une petite partie du public de la Comédie française. Parce que c'est un peu monotone toujours, ces 6 et ces 6. Eh bien, il y a la même chose dans la musique classique, mais ça va par 4. Ce patron de 4 connaît de nombreuses exceptions, contrairement à l'alexandrin. Mais enfin, on le retrouve dans la plupart des thèmes de Mozart. Alors, pour bien s'en rendre compte, je vous propose de prendre un thème aussi assez connu, le thème du final du quintet avec clarinette. Il y a là un petit thème pimpant très joli, et avec les doigts, je vous indique les quatre. Commence. Merci beaucoup. J'ai dit on recommence, non pas parce que je trouvais qu'il n'avait pas bien joué, j'ai dit on recommence parce que je voulais aussi vous faire entendre un autre principe assez habituel du style classique, c'est la répétition de toute une partie, ce qu'on appelle la reprise. Donc, non seulement cette musique marche régulièrement par quatre mesures, mais de plus, un groupe de quatre mesures répond à un autre groupe de quatre mesures, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la réplique, et puis l'ensemble est donné deux fois. Je ne sais pas si vous me suivez bien, hein. Pam 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 tam param param piam pam 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 tarera. Fin de la carrure et de la première incise, qu'on répète plus ou moins pareil, parce que là on sent bien qu'on n'est pas arrivé sur la tonique. Pam 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 parim pidim pi pam pam pim pim pera. Et là le thème est terminé, mais on le donne deux fois de suite. Tout ça à une époque où on ne disposait pas d'énormément de radios, de chaînes IFI et de choses comme ça, et où on avait l'habitude d'entendre les œuvres pratiquement une seule fois, puisque très souvent, c'était simplement des créations. On produisait toujours de la nouvelle musique. Donc, entendre deux fois quelque chose, c'était pas mal. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet la construction du discours musical. Au fond, composer, ça n'est que répéter. C'est comme ça qu'on établit le discours. Mais à l'intérieur de nos quatre et quatre mesures, il peut y avoir des découpages subtils, comme dans un alexandrin. Vous savez, l'alexandrin, ça fait 12, mais on peut s'amuser à le découper en 2 fois 6. Bon, ça, c'est classique, mais même, pourquoi pas, en 6 plus 4 plus 2, ou comme le fait Corneille, vous rappelez, quand le Cid va voir Chimène et qu'il veut lui dire son amour, en même temps, bon, il a tué son père, c'est un petit peu embêtant, ça n'arrange pas bien les rapports conjugaux, et évidemment, elle est embêtée parce qu'elle ne peut quand même pas lui dire qu'elle l'aime parce qu'il a tué son père, alors elle use d'un subterfuge, on appelle ça une litote, elle dit « va, je ne te hais point ». Mais en disant « va, je ne te hais point », elle mange déjà 6 pieds de notre alexandrin de 12. Alors lui, il lui dit que quand même, il comprend qu'elle lui en veuille un petit peu, parce qu'il a quand même tué son papa. C'est son devoir à elle de lui en vouloir à lui. Alors il dit, tu le dois. Et il mange encore 3 pieds. Nous en sommes à 9. Et à ce moment-là, elle n'a plus que 3 pieds, mais elle trouve un moyen de bien rentabiliser ses 3 pieds, puisqu'elle lui répond, je ne puis. Elle ne peut lui en vouloir. Va, je ne te hais point, tu le dois, je ne puis. Et voilà une découpe originale, avec d'abord une grande phrase, si je puis dire, 6 pieds, et puis 2 petites. Eh bien, j'ai 2 exemples là, de Mozart, où c'est l'inverse. Où on a d'abord 2 petites incises de 2 mesures, et ensuite une grande incise de 4 mesures. Le mouvement lent du concerto pour clarinette, qu'on va jouer accompagné par le quatuor à cordes. Et là, vous avez une première incise de 2 mesures. Ah, j'aimerais bien être clarinettiste pour jouer ça. Et puis encore 2 mesures.
et après ces deux petites incises brèves, une incise longue. C'est très très vocal. On va compter pendant que Paul nous chante ça. Et alors, vous avez la même chose dans la seconde phrase, toujours 2 plus 2 plus 4, la deuxième phrase du thème. Aussi élevée, aussi inspirée soit la musique que nous écoutons, elle n'en est pas moins fabriquée d'une manière artisanale. C'est ça qui fait la grandeur de l'art. C'est à la fois un art et un artisanat. Ça n'est pas que de l'émotion à l'état pur, c'est une émotion élaborée. Et s'il n'y avait pas tout ce système de répétition, eh bien, la symétrie ne s'installerait pas. Et l'oreille aurait du mal à percevoir, en tout cas à percevoir facilement le discours musical. Or, le style galant, c'est-à-dire ce style qui caractérise la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est un style qui se veut avant tout direct, avant tout facile à appréhender, à saisir. C'est un style qui naît un petit peu, en quelque sorte, en réaction avec la période précédente qu'on a trouvée trop complexe, où on utilisait beaucoup la polyphonie, le contrepoint, c'est-à-dire le fait de faire entendre plusieurs thèmes en même temps. On trouvait que c'était difficile à suivre. On veut une musique très simple, très facile, une sorte de variété avec uniquement la mélodie et un accompagnement. Et puis, il faut dire aussi que c'est le moment où l'essentiel de la musique se fait de plus en plus dans les cours. Il y a une sorte de déplacement par rapport au début du XVIIIe. On passe en quelque sorte de l'église à la cour. Ça n'est plus une conversation entre l'homme et Dieu, c'est une conversation entre les hommes. Alors, il faut que ça soit des thèmes tout de suite parlants, directs. Et du coup, la physionomie même de ces thèmes fait penser au langage parlé. On n'en est pas encore à ce que font les romantiques, des grandes phrases de violon ininterrompues. Non, il n'y a pas ça chez Mozart. Chez Mozart, c'est plutôt par deux notes, par trois notes, des petites unités, comme des mots. Vous savez, comme quand on dit « Comment ça va depuis la dernière fois et vous avez passé un bon été ?» Ben c'est pareil là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme s'il y avait des virgules tout le temps, ou dans le rondo en ré majeur, cela donne… Virgule. Point virgule. 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 Et là, on va à la ligne, on recommence. Virgule, etc. Ou alors même, encore plus détaillé, encore plus rhétorique, le dernier mouvement de la sonate en si bémol majeur. Alors là, c'est formidable par le jeu de ces notes piquées, pom, pom, et des notes liées, tira, pom, 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 tira, pom. On a vraiment l'impression que quelqu'un vous parle vraisemblablement en italien. Il faut dire que le style galant est une première dans l'histoire de la musique. C'est le premier style universel, le premier style, comme on dit maintenant, le premier exemple de mondialisation artistique. Enfin, le monde à l'époque, c'est la moitié de l'Europe, hein, naturellement. Le reste, c'est les sauvages. Auparavant, dans la musique baroque, il y a des spécialités par ville. Il y a Pergolèse à Naples, il y a Vivaldi à Venise, il y a Scarlatti en Espagne, et il y a Handel à Londres. Chaque pays a sa couleur, sa manière de faire de la musique. Tandis que le style galant paraît tout à fait universel. Ce discours extrêmement symétrique pose quand même un problème, c'est celui de ne pas lasser l'auditeur. Oui, parce qu'à force de vous dire qu'il suffit à peu près pour composer de la musique d'écrire n'importe quoi, mais de le répéter deux fois, trois fois, quatre fois, et de bien le mettre en boîte de quatre mesures, on court un risque, celui de vous lasser.
À chaque fois que je vous fais entendre quelque chose, vous direz « Oh bah oui, de toute façon, il y a une deuxième fois derrière. » Et puis ces quatre mesures sempiternelles. Enfin bref, le bon compositeur est celui qui varie, qui invente à l'intérieur de ce cadre contraignant. Et c'est d'ailleurs peut-être là le secret de Mozart. Pourquoi Mozart est plus extraordinaire que tous ses contemporains? Eh bien sans doute par sa puissance d'invention, par sa façon de toujours nous surprendre à l'intérieur de ce discours symétrique. Et comment fait-il? Eh bien, il varie. Alors, comment est-ce qu'on peut varier? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une, en tout cas, qu'aime beaucoup Mozart. Il n'est pas le seul. C'est l'ornementation. L'ornementation, ça consiste à faire entendre ce que vous voulez, mais la deuxième fois avec des petites notes en plus. C'est-à-dire, au lieu de faire... On va faire... C'est-à-dire que chaque note est entourée de petites notes, de trilles, de petits gruppetto. Il y en a un bon exemple dans le Larghetto, le mouvement lent de son 11e concerto. Écoutez, là, ça se complique. Il y a aussi la technique de la variation, qui consiste à faire entendre le même thème, un air connu, un air populaire ou un air d'opéra à la mode, mais à le faire entendre à chaque fois différemment. Mozart écrit une quarantaine de cycles de variations. Il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, en La majeure, qui est sur un thème de Sarti. Giuseppe Sarti, c'est un compositeur qui est l'aîné de Mozart de 20 ou de 30 ans, je ne me souviens plus, et qui a composé à peu près 70-75 opéras, dont certains sont très prisés des Viennois. Et alors, il écrit un thème qui s'appelle « Come un agnello ». Alors, le voici dans sa version originale. Alors, comment faire réentendre ce thème, mais d'une autre manière? Eh bien, c'est là qu'il faut se poser la question, que conserver, que changer? On peut changer la physionomie rythmique, mélodique, harmonique, mais pas tout à la fois, car on ne reconnaîtrait plus le thème. Alors, un exemple avec la cinquième variation, le thème qui était à la main droite va passer à la main gauche. Et du coup, la main droite est libre pour faire entendre un joli ruban de double croche. Évidemment, la variation fait exactement le même nombre de mesures que le thème. Comme ça, on peut reconnaître ce thème que tous les Viennois ont dans l'oreille. Alors, une autre solution, c'est de faire entendre un ruban de double croche qui, en quelque sorte, comprenne le thème. C'est-à-dire que le thème fait... Et à chaque fois qu'il y avait précédemment une note, je fais en faire entendre quatre. Au lieu de faire pam, 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 eh bien je vais échanger ma note de thème contre quatre notes de ruban de double croche. Mais on reconnaît quand même sur chaque temps la note du thème. Pap, 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 pap. Ce qui donne, avec la main gauche, un dernier exemple, faire entendre le thème à peu près normalement, mais à chaque fin d'incise, hein, j'appelle incise vraiment une toute petite unité, deux mesures seulement, rajouter un petit arpège. Écoutez ce que ça donne. Mais il y a une autre technique pour renouveler le discours. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une seule mélodie, mais je vous l'ai présentée différemment. L'autre solution, c'est de juxtaposer des thèmes tous différents les uns des autres. Au lieu de s'ingénier à changer le costume d'un seul et même thème, on va plutôt changer les thèmes. Par exemple, dans la sonate en Fa majeur, il y a au moins 6 thèmes différents et chacun a bien son caractère à lui. Par exemple, le premier est plutôt lyrique, plutôt amoureux, dirais-je. Thank you.
deuxième est plus prime-sautier, plus pimpant. Le troisième est plus tourmenté, plus soucieux, plus inquiet. Le quatrième est plus simple, plus naïf. Le cinquième a manifestement le hoquet. Ce qui lui donne un aspect plus rythmique. J'aime bien ce passage, on dirait du Barbara. Enfin, c'était pas prévu par Mozart. Et le sixième thème est plus religieux. Vous savez, du genre... Ave Maria. Terminer une suite de petites cadences et une coda pour bien montrer que l'exposition du premier mouvement est terminée. Voilà, je vous propose d'enchaîner tout ça, donc les six thèmes. Style va petit à petit s'infléchir. Et ce qui est même drôle, c'est qu'il va s'infléchir sous l'influence d'éléments qui sont presque la contradiction du style galant. Oui, on va le voir, en quelque sorte, Mozart est avec Haydn le plus grand représentant du style galant et son destructeur, son liquidateur. Le premier élément qui va introduire une sorte de corruption dans notre beau style galant, c'est le contrepoint. Oui, on l'avait oublié, le contrepoint, celui-là. Le contrepoint, c'est le fait de faire autre chose, justement, que de la mélodie accompagnée, comme on vient d'en avoir plusieurs exemples. C'est le fait de faire entendre plusieurs voix en même temps. Vous voyez, si vous chantez quelque chose, et puis vous, madame, autre chose, et enfin, vous, monsieur, une troisième chose, je ne sais pas ce que ça donnera comme résultat, mais ce sera du contrepoint, parfaitement. Trois choses différentes en même temps, c'est du contrepoint. Alors, c'est un peu plus difficile pour l'oreille, parce qu'il faut suivre trois éléments à la fois. Et ce contrepoint, il en a la révélation lors de sa découverte de la musique de Bach en 1782
parce qu'il est invité très souvent le dimanche par le baron von Soupten, qui est un très bon amateur. Il compose même de la musique et il fait entendre de la musique du passé, ce qui est relativement rare à l'époque. Il fait entendre du Bach, il fait entendre du Handel. Et Mozart va être tellement frappé par la musique de Bach qu'il va comprendre en quelque sorte ce qui lui manque, enfin ce qu'il pense qu'il lui manque. Alors il joue des fugues de Jean-Sébastien Bach toute la journée, au point que sa femme Constance lui dit « Mais enfin, au lieu de jouer les fugues de Bach, tu as qu'à en composer toi-même. » Donc il se met à composer des fugues qui sont la plupart du temps, il faut bien le dire, assez laborieuses. C'est d'ailleurs assez émouvant de se dire que Mozart a pu, au milieu de sa vie, se remettre à apprendre une nouvelle technique. On a beaucoup de débuts d'ailleurs inachevés, une petite quarantaine, et puis on a des fugues qui valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire qu'elles sentent un petit peu l'école en quelque sorte. Alors Mozart se met à tellement aimer la fugue qu'il va en mettre un petit peu partout. Par exemple, dans son ouverture de son opéra La Flûte enchantée, qu'il écrit à la toute fin de sa vie, eh bien, passé une introduction lente, il y a une fugue. C'est assez étonnant dans une ouverture d'opéra, mais il y a une fugue. Peut-être que vous avez le sujet de cette fugue bien dans la tête. Etc. Et alors ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas s'il l'a fait par ironie ou dans une autre intention, mais en fait, ce thème est un thème de Clementi. Et ça ne peut pas être un hasard, car peu de temps auparavant, Clementi et Mozart ont été en quelque sorte confrontés l'un à l'autre dans une sorte de joute amicale devant l'empereur. Et justement, Clementi a joué l'une de ses toutes nouvelles sonates. Et cette sonate commençait par ce thème. Les deux premières mesures du thème ne sont pas si mal. Vous remarquez que la deuxième mesure, c'est la première mesure, mais un peu plus haut, transposée d'une quinte. Jusque-là, ça va. C'est quand arrive la troisième mesure et qu'on retombe sur... Et alors, la quatrième mesure est particulièrement mauvaise parce qu'elle interrompt le courant musical. Une lourde cadence. Alors, l'ensemble... Il me semble que je préfère la version de Mozart plus dynamique. Ici, il ne fait pas la troisième répétition, il s'immobilise sur sa petite carte. Avant la deuxième entrée de la fugue. Mais enfin, je compare un thème de fugue, un thème de sonate, ça n'est pas tout à fait loyal. Mais il n'y a pas que l'influence de Bach qui va modifier la manière d'écrire et de composer de Mozart. Il y a aussi un mouvement, une sorte de mouvement pré-romantique qu'on appelle le Sturm und Drang. En fait, Sturm und Drang, ça veut dire orage et passion. C'est le titre d'une pièce de théâtre d'un nommé Maximilian von Klinger, dont je dois vous dire que je ne connais pas très très bien l'œuvre. Mais enfin, il a donné le coup d'envoi d'un mouvement théâtral littéraire auquel seront affiliés en quelque sorte Goethe, Schiller avec les brigands par exemple, ou Goethe avec Werther. Et ce mouvement essaye de faire un peu sortir l'art de cette idée du divertissement, de quelque chose d'agréable, de cette notion un peu classique de l'art qui vient un peu nous rassérener, qui vient un peu nous consoler, qui nous offre un bel objet. Non, là, l'art se saisit des passions humaines et cherche à frapper, à étonner. La mélodie n'est plus au premier plan, ça n'est plus le discours le plus important, c'est le théâtre en quelque sorte. Et alors, on va se servir de procédés très efficaces du point de vue théâtral. Par exemple, on va se servir du silence, c'est-à-dire que pendant un moment, le flot du discours est interrompu. Et alors, ça marche très bien parce que on attend la suite. Il y a aussi le contraste dynamique. Si vous êtes dans une certaine nuance et puis que tout d'un coup, vous mettez tout d'un coup à parler très fort, comme ça, oui, ça fait de l'effet. Il y a aussi l'inverse. Je parle tout à fait normalement quand tout d'un coup, je vais vous dire un secret. Vous voyez ? Donc le contraste de nuance, l'interruption. Alors, ces éléments pris ensemble vont donner une toute autre manière de faire de la musique. Par exemple, dans l'ouverture de Don Juan, vous connaissez l'histoire de Don Juan. Il s'agit d'une histoire très tragique. Le pauvre Don Juan est précipité dans les enfers à la fin. Il faut dire qu'il a très mal agi, il n'a pas été fidèle, il a fait des tas de choses comme il ne fallait pas. Enfin, en tout cas, dans cette ouverture de Don Juan, on commence tout de suite par deux accords très forts avec les trompettes, les timbales, le trémolo, tout de suite suivi d'un silence.
et d'un contraste de nuances. Ça, c'est censé être un hautbois, mais enfin. Oh, ça, c'est le cor. Et un peu plus loin aussi, nous avons une suite d'accents comme des à-coups donnés dans le discours musical. Ou alors une succession de moments d'attente, de suspense, de mystère. Et puis tout d'un coup, tout l'orchestre. Et de nouveau, le mystère et un grand accord modulant. Vous voyez, tout cet adagio qui commence l'ouverture de Don Juan ne fait entendre aucune mélodie proprement dite. Non, il y a quelque chose qui tient en haleine, quelque chose de plus dramatique, de plus théâtral. Alors on en a un autre exemple, et ça sera plus agréable parce que c'est vraiment écrit pour ça, avec l'adagio de la fugue pour quatuor à cordes. Il est sur un rythme un peu à l'ancienne, à la Handel. Papa, papam, 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 papa. Ce qu'il fait à l'ancienne, c'est long, brève long, brève long, brève long. Et puis tout d'un coup, le silence. Et la nuance opposée, avec en plus une note très étonnante, un ré bémol, qui ne fait pas du tout partie de la tonalité précédente qui était celle d'ut mineur. Et tout l'adagio va procéder de la sorte, avec des silences, des interruptions, une très grande qualité de mystère qu'on écoute tout de suite par le quatuor ébène. Suspense, attente, mystère. Et de plus, non seulement l'influence du Sturm und Drang, qui est une sorte de pré-romantisme, mais aussi celle de Handel. Oui, Handel aussi lui est révélé par le baron von Swieten, qui lui commande des réorchestrations du Messie, d'Assis et Galatée, parce qu'à l'époque, on était persuadé qu'il fallait remettre la musique au goût du jour pour qu'elle soit acceptable. Et chez Handel, Mozart va trouver ce sens dramatique puissant et cette netteté du discours, parce que la mélodie mozartienne est particulièrement souple ordinairement. Elle procède par volutes, ou par petites unités, comme j'ai dit tout à l'heure. Tandis qu'avec Handel, en général, c'est le rythme et l'effet dramatique qui prime. Et on en a un exemple dans le Quitolis de sa messe solennelle en ut mineur, où c'est une espèce de scansion rythmique qui fait penser à un cœur qui battrait violemment, qui marque le début de ce Quitolis. Je vous joue la partie d'orchestre de mon piano. Thank you.
quelqu'un qui avait un grand sens de la culpabilité, puisque le texte parle de peccata mundi, hein, du péché du monde. Alors, il y a dans ce même genre très frappant, très hendélien, le Dies Irae de son Requiem. C'est l'occasion pour Mozart de faire entendre quelque chose de particulièrement frappant avec le chœur qui entonne Dies Irae et puis l'orchestre qui fait des trémolos derrière, c'est-à-dire, vous savez, quand on va très très vite sur l'archet. Quelqu'un peut me faire un trémolo, là? Violoncelle? Alto? Second? Oui, formidable. Vous voyez, hein, ça donne un peu la chair de poule. Magnifique. Alors, au piano. Dies Irae, dies illa, solvet seclum, in favilla, desde David cum simila. Quand même mieux avec le chœur et l'orchestre, hein, je vous le signale. Il y a aussi le menuet de la 40e symphonie, qui est très étonnant, parce qu'un menuet, normalement, c'est plutôt gracieux. Oh, bah, des menuets, il y en a des lents, il y en a des rapides. Mais enfin, au départ, c'est une danse, même si petit à petit, dans la seconde moitié du 18e, le menuet est devenu plutôt un menuet de concert, une pièce de genre, ce moment dans la symphonie ou dans le quatuor à cordes où on se détend un petit peu. Mais enfin, ça garde quand même de la danse ancienne un caractère un peu galant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pom, taga, daga, dam, pom, pom. Tandis que dans le menuet de la 40e symphonie, toujours, me semble-t-il, sous l'influence de Handel, on a quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus viril, de beaucoup plus épique comme ton. Écoutez. Ça sera plus beau joué par tout l'ensemble. Puisqu'il ne s'agit plus d'être confortablement installé et qu'avec cette idée de saisir l'auditeur, ces dessins nets et rythmiques et ce pré-romantisme, on ne peut plus du tout tranquillement prendre le thé, faire la vaisselle, faire le ménage ou son courrier quand on écoute du Mozart, eh bien Mozart va même jusqu'à modifier la sacro-sainte règle des carrures par quatre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce menuet, mais nous étions par trois. Oui. 1, 2, 3, 1. 2, 3. Par contre, la fin du thème du menuet est par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a encore plus fort. Dans son dernier menuet de quatuor à cordes, oui, le 23e quatuor en Fa majeur, il procède par 7 mesures. Alors là, je n'ai jamais vu d'autre exemple, ni dans la musique de son époque, ni même chez Mozart, d'un thème en 7 mesures. C'est d'abord les deux violons qui jouent ça, l'air de rien, dans la nuance piano. Et Sturmundrang oblige, la réponse est au contraire très forte, et en plus en mineur. Je ne connais pas non plus d'autres exemples d'une réplique d'un thème qui ne soit pas dans le même mode. Du majeur, on passe au mineur. Donc, un effet d'opposition et une carrure irrégulière. On y va. Et enfin, le dernier exemple d'abandon de ce système de carrure par quatre, il me semble qu'on le trouve dans l'adagio, enfin plus exactement dans le larghetto du quintet avec clarinette. Ça n'est pas que les carrures sont par quatre ou par cinq ou par six, ça n'est même pas le problème, c'est qu'au fond, on ne ressent plus du tout les carrures. Oui, parce que Mozart, là, semble abandonner son système de discours, de rhétorique par petites unités pour faire entendre un thème qui aurait très bien convenu aux musiciens romantiques,
un immense thème, un immense ruban mélodique déployé par la clarinette. Alors de temps en temps, il respire, il faut bien, mais en dehors de ce problème de respiration, on n'entend plus qu'une immense phrase. Et alors à chaque fois qu'on croit qu'on va terminer une phrase par une cadence, en général c'est la cadence parfaite qui se charge de ça, eh bien non, Mozart fait ce qu'on appelle une cadence évitée. Vous voyez, au lieu de faire il fait et on est reparti. Et un peu plus loin, on croit qu'on a la cadence et là, il l'évite. Donc on est encore reparti car tant qu'on n'a pas touché la tonique qui est comme la terre promise, on est condamné à errer dans le dédale des degrés altérés. Rassurez-vous, au bout d'une trentaine de mesures, on aura quand même la tonique. Écoutons ce très beau et très long thème. Non seulement ce thème est d'une pureté, d'une souplesse plastique absolument extraordinaire, mais en plus, peut-être qu'il nous permet d'entrer dans quelque chose qui peut étonner d'un musicien classique, d'un musicien du style galant, c'est-à-dire une expression plus singulière, plus intérieure, plus subjective. En effet, notamment dans les cinq dernières années de sa vie, Mozart semble se laisser aller, se livrer à la confidence, ce qui n'était pas forcément le projet classique. Le projet classique est en quelque sorte celui d'une musique qui nous consolerait de la tristesse plutôt qu'une musique qui l'exprimerait, cette tristesse, en tout cas pas trop directement. Et là, j'ai l'impression qu'à la fin de sa vie, Mozart nous fait entendre quelque chose d'une grande tristesse, d'une grande solitude et d'une grande intériorité. Cette subjectivité expressive intérieure, on en a plusieurs exemples. Le tout début d'une pièce isolée qu'il compose en mars 88, soit trois ans avant sa mort, un adagio en si mineur. Écoutez ce début très énigmatique avec ses silences et puis ses désinences de deux notes qui font penser à une plainte, à un soupir, à un sanglot. Du début, cela donne. Je pense également au mouvement lent de son concerto en La majeur, dans cette tonalité si surprenante, si inattendue. Je crois que c'est la seule pièce de Mozart qui soit en Fa dièse mineur, une sorte de douce sicilienne, très mélancolique et aussi interrompue par des silences, par une sorte de mystère de la solitude.
Je pense également à un rondo en la mineur écrit l'année d'avant, mais c'est un rondo, mais un rondo triste. Et il me semble qu'on pourrait presque penser qu'il s'agit d'une pièce de Schubert. Écoutez. Mais enfin, je ne voudrais pas vous faire croire qu'à la toute fin de sa vie, Mozart, tout d'un coup, devient triste, abandonné, seul, misérable, malheureux. Parce que ça, c'est un petit peu le cliché sur Mozart. Vous savez, ce Mozart vivant dans le besoin, obligé de quémander aux puissants un petit peu de travail, ce Mozart ignoré, dont le talent n'est pas reconnu, ce Mozart un peu dominé par un père abusif, en butte à des employeurs qui ne comprennent pas l'étendue de son génie, comme l'archevêque prince de Salzbourg, Colloredo, et puis ce Mozart qui terminera donc vraiment abandonné, ignoré de tous, enterré comme un chien dans une fosse commune, par une nuit d'orage avec... Je crois qu'on dit oui qu'il y a juste un chien qui suit l'enterrement, si je me souviens bien, et puis personne ne vient. Enfin, la scène la plus extraordinaire étant cette idée qu'il termine son requiem pour lui-même, et alors il réunit quelques chanteurs pour le Lacrimosa. Oui, il veut entendre quand même ce qu'il a composé, le Lacrimosa, dont il n'a fait que 8 mesures. Mais malgré tout, les 8 mesures, il veut les entendre. Donc il réunit autour de son lit de mort, c'est très cinématographique comme scène, un quatuor de chanteurs, et alors il chante les 8 premières mesures du Lacrimosa, et là, Mozart s'écroule en sanglots en disant « Non, je sens que je vais mourir avant d'avoir terminé mon dernier chef-d'œuvre. » Enfin, tout ça, évidemment, n'a pas la moindre réalité historique, mais a aidé à faire passer... un personnage souffrant, et comme nous sommes dans une grande tradition christique, eh bien, nous aimons bien les personnages qui souffrent. Je vous le dis, pour être aimé, c'est pas mal. Souffrez, souffrez, il en restera toujours quelque chose. Mais pour appuyer ce que je viens de dire, je voudrais vous faire entendre quelques exemples de pièces en mineur. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même de jeunesse. Par exemple, un très joli quatuor avec flûte. Oui, je sais, il n'y a pas de flûte, mais je trouve que Pierre va faire merveilleusement bien de son violon la partie de flûte. Juste le début, on dirait une petite sérénade avec toutes ces pizzicato. Vous savez, quand on pince la corde avec le doigt qui accompagne la flûte de Pierre. Sentiment très particulier qui émane de ces pages et qui fait de Mozart un pré-romantique, un pré-schubertien. Quel est-il? Que se passe-t-il dans son âme? Je ne sais pas. Peut-être une sorte de sentiment, oui, de solitude, d'abandon. S'il s'agit de Dieu, on parle de déréliction. Ça peut être aussi l'abandon amoureux. Souvenez-vous, dans La Flûte enchantée, quand Pamina pense qu'elle a été délaissée par son amoureux, Tamino, et qu'elle dit que non, vraiment, sans l'amour de celui qu'elle aime, plutôt mourir, la vie ne vaut vraiment plus la peine d'être vécue. Et écoutons un petit peu cet air si fameux de Pamina, et je vais demander à Paul de bien vouloir faire la chanteuse, il fait ça tellement bien. Quel est donc ce mode mineur dont je vous rebats les oreilles depuis tout à l'heure? Ben, ça n'est pas grand-chose, c'est une petite variation du mode majeur. Vous savez, la gamme majeure fait entendre, si nous sommes en do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En mineur, c'est simplement que la tierce, la troisième note, est bémol. Elle est un peu plus basse. Vous savez, dans la langue courante, on dit « mets un bémol à tes prétentions ». Alors au lieu de do, ré, mi, qui est un peu prétention, on fait do, ré, mi.
c'est plus modeste. Et pareil pour la sixte, au lieu de faire do, ré, mi, fa, sol, la, on fait do, ré, mi, fa, sol, la. Alors c'est plus triste. Je me rappelle quand j'étais tout petit, toutes les sonates de Mozart en majeur, je les réécrivais en mineur parce que je trouvais que c'était plus romantique comme ça. Par exemple, l'hymne à la joie. Et en mineur, c'est moins joyeux. Ou la Marseillaise. Vous connaissez, en mineur. Évidemment, je triche un peu, je le joue un petit peu plus lentement. Mais je ne sais pas, moi, on peut essayer de faire ça avec du Mozart. Tenez, un tout petit peu de la romance de la petite musique de nuit. Normalement, c'est écrit en majeur. Je vous le remets un petit peu en mémoire. Et maintenant, en mineur. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Oh, mais on pourrait faire l'inverse après tout. Le chouchou de tous nos thèmes, la 40e symphonie. C'est tout de suite nettement plus gai, vous ne trouvez pas? Et alors, ce petit jeu nous prépare assez bien, me semble-t-il, à la dernière chose dont je voulais vous parler. C'est une chose qui est étonnante, finalement, toujours pour un compositeur du style galant, c'est le procédé de la transformation. Nous avons dit tout à l'heure qu'on pouvait faire progresser le discours par ornementation ou par variation ou par simplement juxtaposition, mais il y a aussi une possibilité qui est plus intime même que la variation, c'est la transformation. Oui, dans la variation, on entend toujours le même thème, même s'il est présenté différemment. Dans la transformation, il s'agit vraiment d'entendre le thème d'une manière différente, c'est-à-dire que le thème est comme un personnage, il a sa vie, il avance en quelque sorte et il n'est pas toujours le même, un peu comme vous, je suppose, d'un bout à l'autre de la journée, vous êtes traversé par des humeurs différentes. Il y a un mouvement que je trouve absolument extraordinaire, écrit par Mozart plutôt vers la fin de sa vie, en octobre 85, qui symbolise bien cet art de la transformation. C'est le premier mouvement du quatuor en sol mineur pour piano et trio à cordes. C'est une des premières œuvres dans l'histoire de la musique pour quatuor avec piano, et vous allez pouvoir remarquer à quel point Mozart n'est plus du tout dans le système du style galant, et il va, d'un bout à l'autre de ce mouvement, ne se servir que d'un seul thème. Oui, un seul thème. Mais ce thème, il va en faire des tas de choses complètement différentes. Le thème, au départ, se caractérise plutôt d'une manière très saisissante, un petit peu comme du Handel, avec son incise à l'unisson, comme ça. Je vous le fais avec les trois instruments. Auquel répondra deux mesures plus loin. Bon, ça, c'est traditionnel, hein, avec la réplique. Seulement, entre les deux, Mozart a l'idée d'une petite guirlande de piano qui vient interrompre ses affirmations brèves et saisissantes. Merci beaucoup. Et alors, ce thème va connaître un destin tout à fait particulier, puisque de viril, décidé, tragique qu'il est au début, pam, pam, papilam, pam, il devient à la mesure 17 harmonisé, doux, presque tendre. Écoutez. Le piano essaye de ramener
le caractère initial, mais les cordes sont définitivement gentilles, consolatrices. Elles annoncent quoi? Une merveilleuse cantilène. Une cantilène, on dirait presque un aria d'opéra italien. Écoutez. Alors c'est le piano qui chante, la main droite. Ça serait plutôt une soprano, ça. Mais vous avez reconnu ce que c'était? Mais c'est le thème. Oui, c'est. Il est tout doux maintenant, accompagné par les cordes. Et alors, il va encore prendre d'autres caractères. La mesure 32, de nouveau le thème, mais le piano tricote derrière. Voici ce que ça donne. Alors arrivé là, maintenant, le contrepoint fait son apparition. Vous voyez, c'est un petit peu une œuvre de synthèse. Comment? Par le biais du canon. Écoutez déjà le violon et l'alto qui se répondent à la mesure 37. Voilà. Alors naturellement, ça n'est pas exposé tout seul. Il y a le violoncelle qui fait les basses, et puis il y a la main droite du piano qui fait des guirlandes. Alors la superposition du canon, violon, alto, de la basse du violoncelle et de la guirlande de la main droite, cela donne... encore deux petits exemples de transformations qui m'intéressent. D'abord, au début de la partie centrale, qu'on appelle parfois développement dans ce type de mouvement, il prend un caractère plus doux, plus mélancolique au piano solo. Et puis alors, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est à la toute fin, un effet dramatique absolument saisissant. Le thème est réaffirmé une dernière fois, à l'unisson, de manière très puissante, à la mesure 239. Et c'est d'autant plus puissant que pendant ce temps-là, les deux mains du piano s'agitent en double croche et font tac 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 tac. Avec le thème, cela donne 239. Très bien. Et alors ce moment particulièrement puissant, animé, qui va conclure ce premier mouvement, est précédé d'un moment de mystère, un moment où on ne sait plus du tout où on est. Et puis, à la faveur d'un crescendo, on arrive à la dernière affirmation du thème. À partir de 231, cela donne... Mystère. Suspense. Et le crescendo arrive, on intensifie, ça se précise, ça y est, nous sommes sauvés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis alors à la fin, une dernière fois, le thème sera redonné à l'unisson comme au tout début. Alors vous voyez, c'est une œuvre entièrement fondée sur un seul thème, mais un thème qui connaît des tas de transformations. C'est comme si Mozart inventait une nouvelle manière de faire de la musique, une manière qui laisse plus passer d'une part la subjectivité et surtout la possibilité de transformer un élément. Or, la transformation du thème, ça va être quand même une des grandes choses, une des grandes techniques expressives de la musique romantique. À la fin de sa vie, on dirait que Mozart, à chaque œuvre, fait une nouvelle proposition formelle, expressive, esthétique même. Enfin, je vous propose de terminer par la musique en écoutant d'un bout à l'autre ce quatuor qui mêle l'influence de Handel, de Bach, l'idée de la transformation intérieure, la subjectivité romantique et qui pour moi finalement est un bon exemple de ce que je vous avais annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Mozart ait pu être à la fois l'un des deux plus grands représentants du style galant et en même temps celui qui était destiné à écrire les œuvres qui mettraient la fin à cette période de l'histoire de la musique. Donc, je vous propose de terminer par le quatuor en sol mineur, premier mouvement d'un bout à l'autre.